Le contact du sorceleur à Vélène était un certain Hendrik, espion impérial opérant incognito dans cette région ravagée par la guerre. Sa mission, collecter des informations sur Ciri. Salut à tous, salut à toutes, c'est Dirk36 pour la suite du Let's Play sur The Witcher 3 Wild Hunt. Alors, il faut que je vous explique deux, trois petites choses quand même avant qu'on commence. On s'est laissé juste après la rencontre avec l'Empereur, il nous a fait part qu'il était à la recherche de Ciri et puis qu'il voulait qu'on y aille aussi. Et on doit visiter trois régions pour ça. La première, c'est Vélène. Et en voyant un petit peu, grosso merdo, les quêtes qui m'attendaient et mon niveau de merde, bah, j'ai rushé comme un imbécile, en fait, sur Blanchefleur. J'ai à peine fait une dizaine d'heures de jeu et c'est largement insuffisant pour atteindre un niveau correct. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rincé toute la map de Blanchefleur. Ça m'a pris quelques heures et ça m'a permis... d'améliorer un peu mon personnage, de comprendre 2-3 choses aussi. J'ai débloqué des points de compétences que j'ai investi ici, notamment au niveau des attaques, afin d'avoir des attaques plus rapides, etc., etc., pour maîtriser mieux mes sorts, ainsi qu'un peu pour l'alchimie. Et finalement, là, j'ai mis un niveau en plus pour Soleil étoilé, ce qui me permet de me régénérer un tout petit peu plus vite. Bref. Et ça, en fait, ce que j'avais pas très bien compris, c'est qu'il faut que je les active. Et en les combinant avec des mutagènes qu'on retrouve en fait sur les mobs, eh ben, ça nous donne des bonus. Donc là actuellement j'ai l'attaque puissante qui est activée, associée à une augmentation de la durée de mes signes de 10 secondes. Et puis une attaque rapide un peu meilleure. Actuellement j'ai pas de mutagène pour l'attaque et je pourrais débloquer au fur et à mesure des slots supplémentaires. Au niveau de... Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Oui, j'ai appris également pour l'alchimie comment on faisait. Donc, une fois qu'on a les ingrédients suffisants et le parchemin qui s'y rapporte, eh ben, on peut construire une potion et elle se régénère en fait automatiquement à chaque fois qu'on médite en utilisant un petit peu de d'alcool qu'on a retrouvé normalement sur les bandits et autres, enfin bref, sur les mobs d'une manière générale. Là par exemple, j'ai pu faire l'hirondelle qui est une potion de vie, tout simplement. Et actuellement, je peux l'utiliser en mince. J'ai mangé de la viande, voilà. Si j'appuie sur la croix directionnelle haute, j'utilise une potion d'hirondelle. Ce qui me fera gagner de la vie, mais augmenter mon empoisonnement, ce qui est pas très bon. Si on bouffe trop de potions, on devient complètement toxicomane et puis on a une sale tête. Donc, les combats aussi, c'est un peu meilleur. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire des épisodes un tout petit peu plus... montés. Et puis, je vais vous montrer un peu plus de quêtes secondaires parce qu'il y en a 2-3 qui étaient assez excellentes. Ceci étant dit, on va pénétrer dans l'auberge, on va rencontrer notre contact impérial qui est Hendrik, l'espion, qui est également sur les traces de Ciri. Alors, l'aubergiste, ok, les paysans, il n'y a personne d'autre, bah, comme d'habitude, on va parler à l'aubergiste. Je cherche un homme, un certain Hendrik. C'est peut-être même lui si ça se trouve. Vous voulez quoi? Je veux lui parler. De quoi? Donnez-moi une bouteille, quelque chose de fort. Vous devez partir. Je vous ouvre la porte de derrière. Bon. Des visiteurs? Qui sont-ils? Tavernier, la vodka. Ouais. Ça va encore mal se terminer. Qui, un grand guerrier qu'on dirait, avec 2 épées. Hé, hey, Blanchette, à quoi ça te sert d'avoir 2 épées? Hé, hey, les gars, peut-être bien qu'il planque 2 queues dans son froc aussi. T'es sourd ou quoi? Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Allez, être gentil. Une tournée générale, ça vous tente? Je peux savoir pourquoi. Ma bourse est bien remplie, voilà pourquoi. Je traîne pas avec les étrangers. Un bon verre vaut toutes les présentations du monde. Ensuite, chacun reprendra sa route. Et y mène-nous ton chemin. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Désolé,
Je raconte rarement ma vie au premier crétin venu. Forcément, si on commence comme ça. Je rêve ou quoi? C'était une insulte. Et une vraie. Dans ce cas, il va mourir. Bon, alors voilà. Mourir, vermine. Passez dans son droit. Ça ne marchera jamais. Wow, comme je l'ai découpé celui-là. Quand le baron apprendra ce qui s'est passé ici, il mettra ce village à feu et à sang. On n'aura même pas le temps de dire que c'est un mutant qui a fait le coup. Il fait pas dans le détail, ça non. Bon, on va devoir se faire ce mec alors. Où est Hendrik? Vous êtes sourd ou quoi? Je vous dis que le baron ne laissera pas ce crime impuni. Calmez-vous. Votre baron n'est pas stupide. Je doute sérieusement qu'il croira que les paysans du coin ont massacré ces hommes à coups de fourche. Dites-moi où est Hendrik. Il habite à Bourlalande. Je ne vois pas du tout où c'est. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute à Raid des Impériaux. Vous pouvez me dire autre chose sur Hendrik? C'est un drôle d'oiseau. Personne ne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Oui, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelque temps. Merci, tavernier. Sortez par derrière. Il y a encore des hommes du baron au village. Ne vous en faites pas pour moi. Je fais pas ça pour vous. Vous m'avez déjà causé assez d'ennuis comme ça. Je vais juste fouiller les corps, si ça vous dérange pas trop. Ouais. Bon, pas terrible. Ouais. Ça valait pas grand chose tout ça. C'est quoi ce carnage? Putain. Ah là là. Vous n'apprendrez donc jamais. Mince, je croyais. Ah, à chaque fois je crois que c'est rechargé. Oh ben j'arrive pas à parer. Ouh, ça va plus vite que ce que je pensais. Ils arrivent tous. Faut que je prenne de la potion. Ouais, je comprends pourquoi il me disait de partir par derrière. Il m'a fait mal. Hein. Moi, je suis que niveau 4. Il était 5. Allez, on va stoxer encore un petit coup. Je vais juste prendre ce qu'il a, lui. J'ai failli passer. Hein. Faut dire que je pars pas assez bien. Ça, c'est vraiment... Enfin, je pars pas du tout, d'ailleurs. Où est-ce qu'elle est, la porte de derrière? La petite porte de derrière, la fameuse. Ah voilà, peut-être là. Non, là y'a rien. Il est sympa lui, mais là, c'est par devant. Est-ce qu'il sous-entendait cette porte là? Peut-être. Ah bah oui, je pense que oui. Alors, on va partir par là. Ok. Alors, chercher l'agent de Hendrik au village de Bourlalande. Bourlalande. Niveau conseiller 5, je suis 4. Est-ce que au niveau de là, il y a 2-3 choses à faire dans le coin? Alors là, vaut mieux pas que j'y retourne tout de suite. Là, il y a des points d'interrogation ici. Ça, c'est la piste Nilfgaardienne. Valmurier, arbre du pendu. Je suis pas sûr d'avoir compris où je devais aller, franchement. On va suivre simplement la piste Nilfgaardienne. Bah ouais, c'est là-bas. Appelons notre brave Ablette. Du nerf, Ablette. Ouais, si on part par là, il devrait pas nous choper les mecs. Et voilà, ni vu ni connu. On est à 600 pas, un peu moins. Ah, c'est des chiens sauvages. Je sais même pas pourquoi je m'emmerde en fait. On va les laisser là où ils sont.
Ça donne que dalle d'expérience. Ah oui, non, ah, Blade, il veut pas sauter par là. Est-ce qu'on peut descendre ici? Oui, allez. Au galop. Où est-ce que je vais pouvoir traverser ici? Ah, faut que je redescende au sud, que je longe là, il y a que là que je peux traverser. Je me suis trompé. Là. Ouais, d'ailleurs, ça m'indique, hein, je suis vraiment stupide parce que j'ai les petits points qui montrent où je dois aller. Allons-y. On va voir si on trouve des choses intéressantes en chemin. Est-ce que je peux longer là? Ouais, ça va. Ok. Il n'y a pas de point d'interrogation, pas de point intéressant. Ok. C'est quoi tout ce bordel là-bas? C'est des noyeurs, je pense. Allez. Est-ce qu'il y a un point d'intérêt dans le coin? On va juste traverser. Qu'est-ce qui se passe là? C'est qui tous ces gens? T'as entendu dire que les escadrons noirs... Là, au bas. Ah, juste voir ce qu'ils racontent. Il a gentil aux abords de Vizima. Vous avez déjà mangé de l'écorce? Oh, quand la grande nuit tombera. Non, je peux pas interagir avec eux. Toujours aller là-bas. Il a monté un hôpital. Rien de particulier. On y soigne les gens. Alors, où est-ce qu'on en est? Ouais. Puis après, je pourrais aller par là, au panneau d'affichage, voir ce qu'il y a comme, comme point intéressant, voire même aller longer le long de la rivière. Il y a tout plein de choses à voir. Il faudra que je vois où j'en suis au niveau de mon niveau. Pas que je rush trop comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Allez, on va monter jusqu'à position Nilfgaardienne. Ok, je pourrais méditer aussi pour... Ça c'est quoi? C'est des soldats Nilfgaardiens. Bon, ok. Allez. On n'est plus qu'à 150 pas. Voilà, je pense à ici. Qu'est-ce qui se passe là derrière? C'est quoi ces trois ennemis? On y va. Des bandits. Ouais. Au niveau 7. Peut-être fait une connerie, on va voir. Allez les gars, au boulot. Voilà. À cheval, c'est quand même avec la charge. Loupé. Deuxième passage. Non. Oh là là. Vous avez vu un peu ce skill de fou. Ah, je croyais que je l'avais eu. Et de deux. Et le dernier. Allez, avance. J'aime bien ces ralentis. Mais je les réussis pas tout le temps, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas si facile, hein. Allez, défracte-le. Il va me faire tomber encore. Voilà. C'est quand même pas mal comme il les défonce. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un rasoir et une masse. Bon, tout ça va falloir que je vende. Je sais pas où j'en suis au niveau encombrement. Ah, il y en a un autre. Merde. Juste des fois que ce soit le loot de fou. Bref, la cuisse de poulet. On va boire un petit peu d'eau. Ça donne soif, hein, de découper des gens comme ça. Allez, Uablette. L'air a quelque chose d'étrange. Ouais. Comme si on se trouvait dans une cave profonde par forte chaleur. Et c'est... On va descendre. Ok. Bon, il y a déjà. C'est quoi? C'est des chiens. Juste prendre Igni. J'aime bien contre les chiens. Ça leur fait mal. Ah, c'est des chiens enragés en plus. Cramés.
je sais pas si ça va me faire des dégâts en plus s'il me touche. Oh, tout ça pour des sales clébards. Bon, alors là, je me suis fait vraiment encore une fois. Partez, laissez-moi tranquille. Qui que vous soyez, fichez le camp. Calmez-vous, c'est fini. Une petite B1 et tout va mieux. Oui, tout est fini, perdu à jamais. Gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Je cherche un homme du nom d'Hendrick. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, il habitait ici. Et c'est ici qu'il est mort. J'entends encore ses cris. J'ignorais qu'un homme pouvait crier comme ça. Bon, ma merde. Racontez-moi ce qui s'est passé, en détail. Ils les ont pris. Ils les ont tous pris. La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure. Mais pas ce soir-là. C'est l'équivalent des marcheurs blancs ou quoi? Ça y ressemble. J'ignore ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu Hendrick hurler de terreur, puis supplier. À la fin, il n'arrivait plus qu'à gémir. Terreur est vite repartie, mais le village a gelé comme en plein cœur de l'hiver. Vous étiez dans cette chaumine? Non. Il ne comptait pas sur moi pour y mettre les pieds. Au revoir. Que les dieux vous protègent. Bon, bah, c'est foutu pour Hendrick, hein. À moins que là, parce que je dois toujours le trouver. Trouver l'argent de Hendrick. Ah, je dois trouver son corps ou quoi? Ouais, visiblement c'est ça l'histoire. C'est chez lui. Ah, j'ai la manette qui vibre. Ah bah voilà. Ah, ils l'ont laissé là, tranquille. Ils l'ont torturé. Ouais, sans blague. Ils ont peut-être négligé un détail. On va tout fouiller si on peut. Un peu, c'est pas... Du sang coagulé, une clé cachée dans sa botte. Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure. Pas trop loin, j'espère. Ouais, moi aussi. Alors... on va en profiter pour ramasser ce qu'il y a. Bon, bah alors ça doit être là-dessous, évidemment. Je sens un courant d'air. Il doit y avoir une pièce là-dessous. Un peu de ménage s'impose. Allez, go.
Ok. Tamara. Ce serait bien qu'on la retrouve. Ah, 109 couronnes. A-t-il perdu l'esprit? Ah, je voulais pas tout brûler. Ah, j'avais juste appuyé sur A en fait. Bon, là. Ah, bah voilà. Qu'est-ce qui se passe avec ce machin? Intéressant. Un registre aimant pour un sac de grains, montant dû pour une livraison de charbon. Hendrik se faisait passer pour un marchand. Mais pourquoi il planque ça comme ça? Ouais. Une note cachée dans le registre. Plutôt rusé. Voilà des titres intéressants. Alors là, cochon ivre, évidemment. Cochon ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château, où Fortin occupait illégalement, devrais-je dire. Raison inconnue. Interroger le baron à Perchefreux. On n'arrête pas de parler de ce baron. Avis de recherche, le sujet a été aperçu à Skellige et Novigrad. Oui, bon. Apparence inchangée, cheveux cendrés, cicatrices au visage. Évite le contact avec les autres. Ok. Accrochage avec une sorcière. Le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat, conflit, raison inconnue. Trouver la sorcière. Parler aux paysans du village de Aubreuil. Prudence de rigueur. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi. J'ai remarqué des signes troublants. Le chien affilé. Pourquoi il est haute voix comme un teubé, bordel? Étrange lueur dans le ciel. Un mauvais présage d'après les paysans. Ouais, je crois aussi que c'est tout. Ils ont appris qu'Hendrik recherchait Ciri. D'où la torture. J'arrive trop tard. Le baron et une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde. Ah, ça vibre encore. Qu'est-ce que je dois faire? Le baron sanglant. Bon. Là, on a tout regardé. Ah, il manque encore un petit quelque chose, là. Une fiole. Toujours utile. Comment je remonte? Par là, voilà. Bon, vous savez quoi, les amis? Ça fait quoi, 25 minutes que j'enregistre? Ce que je vous propose, je vais, pour le prochain épisode, faire un peu un montage de différentes quêtes secondaires et notamment des différents points qu'on peut visiter sur la carte d'intérêt où on trouve très souvent du stuff. Il y a des bandits, enfin bref, il y a du mob. Donc, je vais aller explorer la zone, probablement le long de la rivière ici, tout du long là. Et puis on va vous monter ça pour que ça fasse un épisode sympa de 30 minutes. Et puis on reprendra la quête principale gentiment après parce que j'ai vraiment beaucoup trop rushé jusque là. Enfin bon, c'est comme ça. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, nuit, matinée, tout ce que vous voulez. Plein de bonheur, tout ça. C'était DRK36 sur The Witcher 3 Wild Hunt. A très bientôt, ciao.